Salut à tous, c'est RetroGreg et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Arabesque 2. Parce que je vous avais dit qu'il y avait une suite. Donc voilà, je vous fais la petite suite d'Arabesque. Retour à Kabotkov. Donc voilà, suite de l'autre jeu. Voilà, c'était un jeu de recherche d'objets. Là, c'est à peu près pareil, mais mieux foutu quand même. Donc c'est un jeu qui a été sorti en 2012 sur PC. Et donc je me suis dit, allez, pourquoi pas, on va faire ça. J'ai juste monté un peu le son. Voilà, pardon. Mais du coup, voilà, c'est... Est-ce qu'il est pourri ce jeu? En fait, non, objectivement, non, c'est pareil, c'est pas un jeu pourri, au contraire, il est beaucoup plus sympa que le premier. Et du coup, je vais vous faire découvrir tout ça, bienvenue RetroGreg, c'est le bon joueur. Et on est parti, l'art d'humeur, donc il y a trois enquêtes. On va le voir, le jeu est beaucoup plus fourni, beaucoup plus complet qu'avant, il y a plusieurs phases de jeu, tout ça. C'est plus intéressant, donc on commence, c'est l'art du meurtre. Jouer. Good morning, Sean. Morning, Mrs. Fletcher. Say, you wouldn't have the time, would you? It's a quarter past 10. Why? I was supposed to meet Milton Becker here at 10, but the gallery's still closed. I called his house and only got the answering machine. It's not like Milton to be late for an appointment. I know, it's silly, but I got worried and called Milton's brother Donnie at Brushstrokes. He said Milton's probably lost track of time at the gallery. He suggested I just let myself in. Apparently, Milton keeps a spare key hidden in his house. Care to join me? Why not? It's a lovely day, and I could use the walk. Je vous l'ai montré, j'ai passé ma souris dessus, je sais pas si vous l'avez vu, à un moment donné, dans le, il y a continuer ou répondre en fait pendant les dialogues. Et si on clique sur continuer, ça passe le dialogue tout simplement pour arriver dessus. Et si on fait répondre, en fait ça doit être une erreur de traduction, c'est reprendre. En fait ça reprend depuis le début. Répondre, bah oui, qu'est-ce qui est arrivé à Milton, machin, bon bah. Répondre, on va lui dire qu'il est peut-être arrivé ça, mais en fait non, ça reprend depuis le début. Donc voilà. Mais évidente. Oh bon, bonjour, normal. Et puis c'est tout. Voulez-vous utiliser la data active ouais, vas-y. Le curseur change en haut pour ce que vous pouvez utiliser. Ah merde, c'était ça le. Donc voilà, un petit jeu de point and click en fait. Enfin, c'est juste à cacher un objet dans la boîte aux lettres. Voilà. En fait, si je veux rafraîchir le machin là. Voilà, là, il faut la clé pour ouvrir la porte, donc ça veut dire qu'il faut que j'utilise. Voilà, sa clé qui avait caché dans la boîte aux lettres. It's going to take a lot of searching to find that key. Donnie told me the key's in a bottle somewhere, but Mr. Becker's got a flair for theatrics. Donc voilà, c'est un jeu de point and click well, plutôt classique. There's no time to lose. Let's poke around and find it. Ouais. Allons fouiner chez les gens. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de retirer cette putain d'aide interactive là? Non, on peut pas. Bon, tant pis. Ah, c'est plus sympa. Continuez. On va revenir au menu principal. Je vous ai dit qu'une scène d'objets cachés. Ah oui, parce qu'il y a des nouveaux des objets cachés, forcément. Les lettres A, I, U, U. Donc ça, c'est pareil la dernière fois. Il manquait les lettres pour... les lettres qui sont cachées, en fait, un peu partout. Qui sont les lettres de... Tac, tac, tac. Alors, on m'avait posé une question. Concernant le premier épisode d'Arabesque, est-ce que Jessica à la fin, est-ce qu'elle arrive à avoir du homard? En fait non, on n'en a pas de nouvelles. Mais c'était pas Billy le tueur, c'était un autre truc. C'était une histoire un peu sordide. Mais bon, peu importe. Alors, qu'est-ce qu'il me faut du coup? Je n'ai pas regardé. Un casse-noisette, un briquet, une pêche, un ruban, une partition, un aimant, un bonbon, un ticket d'entrée, une monstre à gousser. Le bonbon, je l'ai vu. Le bonbon, je l'ai vu, mais je ne sais plus où il est. Un homard, ça y est, on retourne au fameux homard. Alors du coup, un peu de concentration, des jumelles, elle est ici. La reine de cœur, elle est ici. Un ticket d'entrée, il est ici. La pêche, elle est là. Enfin, une fois qu'on se concentre, ça va beaucoup mieux. Qu'est-ce qu'il faut d'autre? Un ruban, une partition, un aimant. L'aimant, il est là, je l'ai vu. Le bonbon, il était là. Le briquet, il était là. C'est pas un encrier, ça. C'est pas un encrier non plus, ça là-bas. Un encrier, c'est pas un encrier, ça là-bas. Non. Je clique sur un peu partout. Voilà, ça c'est l'encrier, la montre à gousset, la clé était cachée en dessous en fait, hein, il n'y avait pas besoin de chercher bien loin. Je clique un peu partout, de toute façon on s'en fiche, un casse-noisette, ça c'est un décapsuleur. Casse-noisette, le chat c'est souvent des casse-couilles. Non, ça marche pas. Bon, un ruban, une partition. Le pire c'est que je suis sûr que... Ah, le ruban, ça se trouve c'est du ruban adhésif, non. Une partition, mais il n'y a pas de partition ici. Indice 2, tiens, regarde, si je clique sur les indices, alors ça veut dire quoi? Ah oui, casse-noisette, oui, d'accord, hein, casse-noisette comme ça, comme dans la pièce, d'accord. Un ruban, ouais, et la partition, elle est là. Parfait. Trouver un aimant, ça devrait m'être utile, tout à fait. Il y a une clé là, c'est pas celle-là qu'on cherche?
Avec des mini-jeux. D'accord, il manque certaines photos dans cet album. Oui, mais je n'ai pas les photos pour mettre dans cet album. Du coup, on se casse. Le piano. Puis je trouvais quelque chose pour ouvrir le couvercle du piano. Tes mains? Non, avec les mains ça marche pas. Ah oui, tout qui clignote. Dans le cerveau, il faut quelque chose en forme de cœur pour l'ouvrir. D'accord. J'ai trouvé quoi? C'est quoi ça? Un support du couvercle. Ah, c'est ça pour ouvrir le couvercle alors. Voilà. Je récupère la lyre. Ah oui, la lyre qu'il faut remettre là-bas. Non, j'ai pas joué, c'est pas vrai. C'est pas une lyre d'ailleurs, c'est une lyre. T'as une cachette secrète quoi. Je crois qu'il faut 6 éléments sur la bouteille. Non, c'était pas ça. Ah oui, d'abord il faut, ouais, c'est débile parce que d'abord il faut la remettre en place et après seulement il faut 10 éléments pour rattraper la clé. Tu pouvais le faire en ta main. Alors sortir la clé de la bouteille, t'avais pas besoin de l'aimant en fait. Hein. Juste tu retournais la bouteille à la limite et la clé tombait toute seule. Bon, enfin bref, peu importe, on s'en fout. Allons à la galerie. Donc voilà, j'ai récupéré. Et voilà, donc ça, j'ai pas encore ces énigmes là, ni celle-là, ni. Voilà. Donc il faut que je retourne à la galerie. Il faut que je retourne à la galerie. De toute façon, je n'y suis pas allé. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, il faut que je continue. Donc voilà, c'est un jeu de point and click plutôt plus classique en fait. Là, c'est pareil, il faut que je trouve un moyen de dégager la. De rattacher la remorque. Ça, voilà. Donc je trouve qu'il est plus sympa que le premier. Après, ça reste du arabesque, car c'est pas non plus ouvrir cette porte et rentrer dans la galerie, oui, parce que j'ai la clé. Donc ça reste que. Très 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 simple, hein. Même en expert. Milton, ça reste simple. Oh non, Milton! Sean, call Sheriff Metzger. And you should plan on sticking around town, okay? Yes, Sheriff. I should go tell his brother Donnie, if that's all right. Donnie over at Brushstrokes, right? Sure. All right, Mrs. F. Now let's have a look around. Voilà. Donc je disais beaucoup plus sympa. Je sais plus qu'est-ce qui. Février, je ferai moyen de voir ça là pour passer de l'autre côté. Ouais, tu passes au-dessus ou en dessous, ça suffira largement. Un morceau. Oh mon dieu. Ah oui, alors là il faut leur redonner leurs armes, je crois, pour. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Fallait pas échanger les armes? Il y avait un truc comme ça. Ça ne marche pas. On dirait que c'est ce gars qui a perdu son casque. Ah oui, d'abord il faut que je remette le casque avant de pouvoir mettre la suite. Pardon, j'avais donc cliqué à côté. Est-ce qu'on peut sortir? J'ai deux écrans en fait et je peux sortir la souris du cadre. C'est un peu con mais c'est comme ça. Alors bureau de la galerie, il a arrêté d'autres choses là-bas. Je peux récupérer du scotch. Ah oui, il faut que je vire tous les objets. Un par un. Tu dégages. Et je vais trouver un truc en dessous. Voilà. C'est passé quelque chose, j'ai dû partir possiblement, j'ai essayé la clé dans le vase. Je crois qu'il n'y a rien d'autre. Non, ce sera très bien. Je vais quitter ce mini-jeu. Ah, donc c'est encore d'autres trucs à voir? Bah non. C'était pas fini? Pourtant, normalement. Il n'y avait rien d'autre, il y avait juste. Ah non, il y a un truc en dessous, non? Est-ce que tu me casses les noisettes? Casse-noisette. Ah oui, d'accord, si t'as pas viré le truc, tu peux pas, ouais. D'accord, s'il y avait des trucs en dessous, voilà. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui gêne encore? Qu'est-ce qui fait chier encore, c'est ça? Pourquoi? Ça? Voilà. Putain, le machin, c'est au millimètre. Il y a un millimètre de feuille de papier qui dépasse, c'est fini. Des traces de pas par une femme, des chaussures à talons, un de ses talons est cassé, c'est dommage. Il y a un truc entre les. Il faut quelque chose pour sortir ce papier là. J'ai la clé magnétique pour pouvoir passer de l'autre côté. Donc voilà, je disais objectivement, ça peut pas être un mauvais jeu. Ben, forme d'une masse, il y a quelque chose pour regarder la peinture pendant un échantillon. C'est pas un mauvais jeu, mais c'est pas un jeu qui est très passionnant. J'ai pas été jusqu'au bout, même pas jusqu'au bout de la première. Ah, il faut que je taille les roses. Et j'ai même pas été jusqu'au bout de la première enquête, j'ai dû faire la moitié et après ça m'a saoulé en fait. Tout simplement, donc j'ai pas été jusqu'au bout. Donc ici c'est pareil, il faut la clé magnétique. Il suffisait de passer au-dessus ou en dessous, hein, franchement. Bon, mamie elle est peut-être plus aussi agile qu'avant, hein, mais quand même. Hein.
Un truc d'objet caché. Tiens, tant qu'à faire, on va faire ça. Alors, un Y. C'est tout, j'ai tous les trucs. Ouais, voilà. Un vase chinois, ça y est là-bas. Masque vénitien, il est ici. La boussole, je l'ai vue il y a 30 secondes, elle est ici. La graffeuse, elle est là. J'ai déjà quasiment tout vu. Il n'y a pas grand chose à la poupée. Je suppose que c'est ça, mais si c'est pas vraiment une poupée, mais bon. On va pas jouer sur les mots. Les cisailles, je les ai pas vues. Le cœur, le pinceau, la calculatrice, le pinceau est ici. La calculatrice est ici. Le cœur et la cisaille pour l'instant. Ah, le cœur est là. La cisaille, j'en sais rien. Le fossile, la sucette et la montre. J'allais dire le monstre, mais non, ça n'a rien à voir. Alors, le fossile. Ou le vrai d'ailleurs. Peu importe. Voilà, la montre. Comment il a fait pour le voir, on ne sait pas. Le fossile qui est là-bas, il y a un de ces bordels ici. Et la cisaille. Tiens, bah, regardez les indices. Un cisaille. Ouais, c'était ça là-bas. C'était complètement le truc le plus évident en plus. Ça devrait être utile, tout à fait. Je me demande bien pourquoi. Genre pour tailler des roses, par exemple. Pour massacrer ces pauvres felons de pleurs qui n'avaient rien demandé à personne. Et voilà, pour trouver une clé. Qui est la clé du tiroir. Il y a une boîte à musique. Il manque la clé. J'ai trouvé une corde. Waouh. Cordon du rideau. Ah oui, c'est pour retenir un rideau qui est je ne sais plus où d'ailleurs. Voilà. C'est quoi ce screamer? Il y a un problème. Qu'est-ce que c'est que ça? Un manche de couteau. Mon dieu. Il manque la tête d'impression, je vais la trouver. T'as regardé dans la tête d'impression? Ouais. Sors de là, sors de là. Ah oui, le truc du rideau, c'est parce qu'il manquait le cordon qui est ici. Ah, mon dieu, la peinture a disparu. On dirait que quelqu'un a découpé pour sortir de son cadre. Et pas très proprement, si je peux me permettre. Mon dieu, diantre. Je crois qu'il n'y a pas grand chose à revoir par ici. Non, pour l'instant, il n'y a rien. Un manche de couteau, oui, alors je sais plus à quoi ça sert. Peut-être garer ça ailleurs si vous pouvez l'attacher au camion. Ou alors demander juste à la personne à qui ça appartient, non. C'est pas une bonne idée ça. Ah voilà, le couteau. Si j'ai Amazon, ils ont peut-être pas fini cette affaire. C'est vrai, peut-être pas. Alors, le couteau, je sais plus à quoi il sert par contre. Hein. Ici, il y avait quoi? Ah, ici, il manquait des photos. De toute façon, pour l'instant, on pouvait rien faire. Ah, là oui, il y avait quelque chose. Ah, il manquait le coucou. Ling ling. Bon, c'est que je vais avoir quelque chose à faire dans la galerie. Ah, il y en a qui manque son casque. Je peux pas raccrocher ce putain de téléphone qui sonne là. Je crois que je me laisse distraire. En effet, Jessica. Ah oui, le couteau, c'était pour attraper ce qu'il y avait entre les lattes du parquet, je crois, non? Non, c'était pas ça. Ouais. Ça va pas m'aider du tout, ça. Qu'est-ce qu'il raconte, ce truc? Bon, bref, peu importe. Je voulais... Ouais, si, il m'amène vers l'inventaire, en fait. Non, la maison, apparemment. Ah, quand le truc à faire dans le canapé. Ah, oui, c'était ça. Je me souviens, maintenant. Pour récupérer... La clé en forme de cœur qui permet d'ouvrir le journal. Ah non, c'est la clé de la boîte à musique. Bah, putain, quel bordel. La boîte à un clic. Le machin, et faire les allers-retours. Et dans la boîte à musique, il y a la suite de l'événement.
Voilà, les photos de Donnie et Milton. Donnie seemed pretty close to his brother. He'd know if Milton had enemies, who could have hated him enough to kill him. We should speak to him and find out if he knows what could have led to such a turn of events. C'est vrai ça. Mince alors. Pour une fois, je peux pas dire que c'est Billy, il est pas là. Je peux pas accuser ce pauvre vieux Billy. Il est pas là. Ah, du coup, je peux plus aller dans la maison. D'accord. Parti au cercle. Okay. Bon, bah sur ce, moi je vais vous laisser là. On n'ira pas plus loin. À moins que vous ayez vraiment envie de voir la fin de l'histoire. Mais je pense pas que qui que ce soit ait envie de voir ça. Mais bon, si vous avez envie de voir la suite des événements, vous me le dites. Et je refais une petite vidéo sur Arabesque. Après tout, pourquoi pas. Donc sur ce, moi je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et pour de nouvelles aventures sur la chaîne Retro Greg. Allez, salut!